Quand nous partions à Trinidad 92, je pense et je suis convaincu que tous les joueurs savaient qu'on allait pouvoir remporter la Coupe. Parce que la cohésion qui manquait, c'était la cohésion de l'entente et de la force collective. Ils ont eu ça à partir du moment où ils ont décidé, à partir d'ici, d'aller faire un sit-in devant le cabinet du ministre pour lui dire, si tu tiens Samba avec l'équipe, nous on ne bouge pas. Notre coach, c'est le coach Léo, c'est lui qui nous a qualifié. Dieu même n'acceptera pas que nous puissions gagner la coupe si nous y allons sans le coach Léo. Je disais, moi le coach, si j'arrivais à lui parler, et tout ce qu'il disait, c'était comme les pages de magie. Moi je prenais tout, j'avançais. Et puis c'était quand même dur, quand même. Surtout le match même qui m'a un peu fatigué, c'était le premier match. Parce que je ne connaissais pas l'intensité de la Coupe d'Afrique. Et quand je suis rentré dedans, j'assure qu'à la mi-temps, je pensais que le match était fini. Et quand on m'a annoncé que c'était la mi-temps, j'ai fait ouais. Je comprends pourquoi la Coupe d'Afrique, c'est un événement un peu trop élevé pour tout le monde. Mais il faut pouvoir s'accrocher pour atteindre son objectif. Bon, on a lutté, on a bagarré. En plus, on croisait, je crois, le pays vainqueur. C'était contre l'Algérie. Oui, contre l'Algérie. Et je vais peut-être donner les éléments de motivation que j'avais eu. J'étais arrêté devant la porte des vestiaires. Bonquet avait fini les échauffements et il est rentré avec eux. Quand c'est comme ça, quand il finit, il sort, il vient, il me dit, boss, c'est fini, bon, je peux te livrer les joueurs. Entre parenthèses, les joueurs le savent, j'ai jamais eu quelqu'un qui soit en complicité avec moi dans tout mon boulot, mieux que Bonquet tient. Encore Didier Autogolé, qui disait de lui, j'ai parcouru, j'ai travaillé avec beaucoup d'entraîneurs, mais l'entente qu'il y a entre vous deux, je n'ai pas vu ailleurs. Je dis bon, c'est ça, je dis, nous sommes, je l'appelle mon esclave, il m'appelle son esclave, on ne sait pas qui est esclave du coup, mais nous sommes alliés. Les Yacouba, je suis Sénico, bon, on joue ce jeu, mais dans la réalité, nous sommes plus que des frères. Nous sommes plus que des frères. Et il n'avait jamais su que la première personne que j'ai connue avant lui, de façon formelle, c'était son grand frère, TTC, avec lequel j'ai pris l'avion pour Paris. Lui, il est descendu à Lyon pour Grenoble. Et nous, Dédé et moi, nous avons continué à Paris. Et c'est depuis ce temps que je connaissais TTC. C'est longtemps après que j'ai su qu'il était parenté, lui est Bonquet. Donc ça a encore renforcé mes effets avec Bonquet. Il avait tellement confiance en moi que quand je lui donne un programme, quand il était sélectionneur du Nord, quand je lui donne un programme, personne ne peut lui demander de changer un élément dans son programme. Il disait que mon boss m'a donné un programme, je vais l'appliquer jusqu'au bout. Si je perds, au moins j'aurai l'honnêteté de dire, boss, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ça a beaucoup marché. Et en junior, d'ailleurs, quand il a qualifié l'équipe nationale junior de Portugal 91, il est parti faire la préparation à Brest. Quand il est arrivé là-bas,
le ministre lui avait conseillé un entraîneur français qui était à Brest. Ce dernier a voulu lui faire un programme. Il dit non, mon boss m'a donné un programme. Il m'a dit de suivre le programme et il est sûr que j'arriverai en finale avec ça. Et il prédit que nous finirons au tir au but. Et effectivement, il a fait ce programme. Il est arrivé jusqu'en finale contre l'Égypte, pays organisateur, et on a perdu au tir au but. Mais toutes les deux équipes étaient qualifiées pour Portugal 91. Et si mes souvenirs sont exacts, quand je suis arrivé en 91 avec Fanny Ibrahima, on était avec Namuko Père son âme. Dès qu'on est arrivé sur le terrain, mon père a dit, bon, boss, moi ma part est terminée. Voilà, je te donne l'équipe. J'ai dit non, je viens travailler, mais c'est toi qui suis le banc de tous, c'est toi qui roule, il n'y a pas de problème. C'est notre travail à nous, tous les deux, on a bossé ensemble. Et Sam, mes témoins, ça a toujours été comme ça, même en senior, on avait une symbiose entre nous, de telle sorte que un jour, Didier Autocoré lui a dit, moi, depuis je suis footballeur, j'ai jamais vu deux entraîneurs qui s'entendent aussi bien que Didier. Le reste de mon frère, du coup, est un peu souffrant, je lui souhaite tous les jours, il sait que j'ai pris tous les jours pour lui. Et je lui souhaite un prompt établissement, il va guérir. Yeah.